Vous avez acheté une ou plusieurs plantes de gros format pour votre maison ou votre bureau et quelques jours après l'avoir installée à sa place, vous voyez des insectes rampants sortir de la plante et marcher sur le plancher. Mis à part crier et hurler, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous explique. D'abord, il faut comprendre que ces plantes-là, surtout les plantes de gros format, sont principalement cultivées en Floride, à même le sol. Alors, c'est différent des cultures en serre qu'on connaît au Québec et c'est souvent par le sol que les insectes vont rentrer dans la plante, pondre des œufs. Ça peut prendre même quelques jours, voire quelques semaines avant que les adultes émergent. Et à ce moment-là, c'est à la maison qu'on se rencontre du problème. Sachez par contre que ces insectes ne sont aucunement nuisibles pour les plantes. C'est simplement désagréable à voir. Vous en avez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, laissez sécher en profondeur votre plante, le terreau en fait, parce que les insectes rampants habituellement se multiplient dans un endroit, dans un lieu, dans la terre en fait, qui est humide. Laissez sécher en profondeur, vous allez limiter le nombre de cycles que l'insecte peut faire. Deuxièmement, videz toujours les soucoupes, l'excédent d'eau si vous en avez. Encore une fois, c'est pour diminuer le taux d'humidité au niveau des racines. Si vraiment vous détestez, vous pouvez carrément rempoter au complet la terre. Donc, vous prenez votre plante, vous enlevez le plus de terre possible et vous rempotez dans un nouveau terreau d'intérieur et habituellement, ça règle le problème. Vous capotez vraiment beaucoup, vous détestez. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle un trempage. Alors, vous allez prendre votre plante et vous allez vraiment la submerger pendant 30 minutes. Ce que ça va faire dans l'eau, ce que ça va faire, c'est que ça va asphyxier les adultes ou les œufs qui sont en dormance. Vous pouvez aussi faire un traitement avec un insecticide à faible impact, soit du savon noir ou du savon insecticide, ou encore utiliser de la terre diatomée que vous saupoudrez au-dessus de la terre. C'est aussi un problème qu'on voit parfois à l'automne quand on rentre nos plantes qui ont séjourné à l'extérieur vers l'intérieur. À ce moment-là aussi, même problème, les petits rampants sont arrivés par le sol, ils ont trouvé une place intéressante où se loger et hop, dans la maison, ils essayent de trouver un nouvel endroit pour aller vivre. Bonne chance!